Base lunaire à navette. Base lunaire à navette. Veuillez donner votre mot de passe pour identification. Je répète, donnez votre mot de passe pour identification. Code opération Green Moon. Code correct. Comment puis-je entrer ? Allez au bâtiment d'accueil. Ils délivrent les laissez-passer. Ensuite, pour entrer dans la base, vous devrez emprunter l'entrée principale. C'est la porte dont la lumière est verte. Cela signifie qu'elle est ouverte. Bonjour. N'oubliez pas de passer au bâtiment d'accueil pour faire enregistrer votre passage. Twinsen, enfin tu es là! C'est horrible! Les Esmers ont construit des réacteurs sur la lune d'Emeraude afin de la projeter sur Twinsen et de faire exploser notre planète. Ils obéissent à leur dieu qui s'est miraculeusement réincarné et ils veulent accomplir une ancienne prophétie qui est censée redonner à leur planète son ancien aspect paradisiaque. C'est vrai! Nous avons été dupés par Darkmonk, notre dieu qui est réapparu. Il faut arrêter cela! Mais les réacteurs sont indestructibles! Ils sont commandés à distance depuis Zilish! Le centre qui les contrôle a été construit sur l'île OCX. Notre seule chance d'empêcher la catastrophe, c'est de le détruire. Nous devons y aller. Il faut sauver Twinsen.
Je vous mènerai jusqu'aux dissidents. Eux seuls peuvent nous aider. Ils traînent toujours dans les bars et les endroits un peu louches. En attendant, nous devons partir. Il ne faut pas rester ici. Stop! Suis-moi! Allez, Monsieur CX. Lilo CX. Twinsen, j'ai laissé mon vaisseau un peu à l'extérieur du cratère. Nous pouvons nous enfuir en passant par la petite cour extérieure. Twinsen, j'ai endommagé le vaisseau lors de l'atterrissage. Il va me falloir quelque temps pour le réparer. Sur la Lune, j'ai découvert le carburant des Illichiens. Il s'appelle gazogème et est très puissant. Il faudrait que tu ailles m'en chercher. Mais Jérôme, je dois trouver l'île OCX et y détruire les machines qui contrôlent les réacteurs lunaires. Bien sûr, mais tôt ou tard, j'aurai besoin de ce gazogème. En plus, avec lui, je pourrai transformer ton protopack et le rendre bien plus performant.